Il y a certains sigles pour lesquels tu vas avoir les quatre compétences, compréhension et production, mais il y a certains où tu veux avoir plus d'informations, plus de choses en production orale. Pour les autres, tu vas avoir juste une partie de l'épreuve. Mais sur Dame Sumara, c'était identifié, est-ce que c'est la version B complète, complète, donc il y a compréhension orale, production écrite, ou est-ce qu'il y a juste la production écrite ou juste la production orale, c'est noté, par exemple, version B, PO, c'est tout. Et à côté, vous allez voir après, à côté d'une barre de soulignement, c'est identifié la commission scolaire. Parce que c'est sûr que tout le monde, quand il a commencé à produire les versions, c'était toujours la version B. Mais il y a la version B de Sherbrooke, il y a la version B de Laval, il y a la version B de chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on met la commission scolaire à côté. Et c'est à vous de voir, de regarder, soit de les prendre au complet, soit de les modifier. C'est en document Word, donc ça peut être adaptable OK. aussi. Parce que je sais que Marilyn Fortin, l'année dernière, Oui. avait travaillé sur des versions B. Est-ce qu'elles sont déjà Oui. disponibles au partage? Oui. Parfait. Il y a, je pense que c'était le niveau 2, 3, 4. Je me rappelle pas, mais je sais que les plus avancés, il n'y avait pas de niveau avancé nécessairement. Parfait. Ici, je commence avec une enseignante. Elle a eu du temps pour ça, pour travailler sur la version 6, sur le niveau 6, en fait. Donc, Non, on va comment? on a fini avec le niveau 5. Pour 6, 7, 8, nous n'avons rien. Je suis en train de Rien. regarder. Donc, il n'y a Donc, rien pour c'est le ça. moment. Par la suite, probablement qu'en janvier, février, on va avoir terminé là, à suivre dès qu'on peut commencer le projet. Mais ici, on va travailler sur le niveau 6, la version B prochainement. Bon, Stéphanie s'est ajoutée à notre groupe la fois passée. Donc, juste une petite présentation pour les autres. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te Oui, je suis plaît? nouvellement CP pour la translation à la commission scolaire de Laval. Ça fait une semaine et demie que je suis en poste. J'enseignais avant aussi en translation. Donc, je suis là pour apprendre plein de choses avec vous sur une nouvelle fonction aussi, là. Mais Mais tu as enseigné dans le même centre, c'est si ça. je comprends bien. Puis, ben, à Laval, on a seulement un centre qui offre la francisation. Donc, moi, j'étais enseignante dans ce centre-là. Puis là, ben, on m'a transféré conseillère pédagogique depuis Mais bienvenue dans notre monde. C'est ça. Bien. Mais le reste, je pense que tu vois les personnes. Et voilà, Caroline Chahi qui est enseignante aussi. Caroline, je te laisse 2 minutes. Moi, j'ai eu un courriel de ta part ce matin, Chloé, concernant le test de positionnement. On pourra se rappeler après la communauté. Stéphanie, deux petites secondes pour te présenter aussi. Ah oui, tu as écrit, tu es en poste comme conseillère depuis un mois seulement. Oui, donc moi aussi, une petite nouvelle en tant que conseillère pédagogique. Ça fait un mois que je suis ici au Centre Saint-Michel à Sherbrooke pour les dossiers francisation et français langue d'enseignement. Donc, bonjour de loin dans cette recherche de tout comprendre. Oui, Virginie, c'est à ton tour. Ah ben moi c'est Virginie Buteau, ouais, je suis conseillère pédagogique au Centre Saint-Louis pour la CSDM à Montréal. Et ben là, ça commence à faire quelques années, là, je sais pas, 6 ans au moins, 6-7 ans là, que j'ai ce poste. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Mais on a fait le tour de table. Je pense que oui, on a communiqué ensemble. Moi, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire Marie-Victorin. Donc, j'ai la francisation aussi dossier anglais langue seconde. Voilà. Donc, y a-t-il des nouvelles chez vous? Avez-vous des choses, des nouveautés pour nous partager, tu sais, faire un petit quoi de neuf? Oui, C'est ça, en oui, fait, Chloé. c'était plus des questionnements, mais au pire, je pourrais en reparler plus en précision avec certaines d'entre
mais à Laval, on a vraiment une clientèle très grandissante, puis on est en train de rechercher des nouvelles méthodes pour classer nos élèves, puis pour aussi des nouvelles nomenclatures pour nos groupes, là, pour nommer nos différents groupes. Donc, dès que je vais vous approcher pour connaître un petit peu comment ça se passe dans vos coins, là. Donc, c'est plus par rapport à ça, oui. Mais juste pour ton information, quand tu vas avoir fait le compte Mara, mais dans le groupe Mara, il y a le test de classement qui a été élaboré par la commission scolaire de Montréal. C'est surtout le test en production orale et il y a une petite production écrite. Il y a aussi le test développé par la commission scolaire des premières seigneuries, si ma mémoire est bonne. Mais c'est un test assez long, mais dans ce test-là, tu peux trouver la compréhension orale, la compréhension écrite, production orale et production écrite. Peut-être que tu pourras utiliser certaines parties si vous voulez classer vos personnes. Nous, on a développé, on s'est basé sur l'ancien test de classement qu'on avait en compréhension orale et production écrite. Et compréhension écrite, oui, il y en a trois. Donc, on a développé un test qui est basé sur ça, il va falloir juste le déposer parce qu'on a retrouvé récemment encore des coquilles. Donc, à chaque fois, parce que les personnes, quand tu as les yeux collés, tu ne vois pas vraiment ce qu'il existe là. Et aussi, il y a le test de classement pour la francisation alpha qui a été élaboré par la CSDM. Nous, on s'est basé sur ce test-là, mais on a fait une autre version aussi, ce que je pourrais déposer aussi. Donc, tu pourras aller voir ce qu'il existe et ensuite partager aussi avec Caroline. C'est ça. Donc, ça va te donner une idée. C'est la même. Voilà. Dommage, Caroline, y a-t-il d'autres nouvelles chez vous? Ben oui. nous, on a eu la formation avec Mme Lapierre vendredi en prosodie. Puis, j'ai eu avec mon collègue Annie qui s'occupe du dossier phonétique ici au centre. Puis, on était contents de partager ça avec notre équipe. Puis, on a fait du pouce sur le matériel que Rima a présenté. On n'est pas dans les mêmes camailleux. C'est pas les mêmes couleurs, mais... C'est correct. On a vu à quel point c'est pertinent. Puis, on a comme jumelé les idées pour faire un beau puzzle bien, bien intéressant. Tantôt, quand je vais présenter mon matériel, je vais faire référence à ça pour voir comment tout se combine magnifiquement. Au sein de l'équipe, oui. Qu'on rencontre ces temps-ci, on parlait beaucoup d'évaluation l'année dernière. Là, on constate que c'est nécessaire de faire des pré-tests. On a beaucoup discuté, les enseignants, on a travaillé avec notre directrice adjointe, notre CP. Jusqu'où on va pour développer la métacognition qui est nécessaire pour réussir l'examen? Je m'explique, on a un petit monsieur de 55 ans, russe, mécanicien. Lui, interpréter dans la phrase « vous questionner pour vous informer de la possibilité de faire une reprise », OK? Vous questionner, bon, en principe, on comprend qu'il doit poser une question, mais est-ce que lui est habile à interpréter ça? Sur la possibilité de, ça réfère au verbe « voir plus infinitif », est-ce que mon monsieur est capable d'interpréter ça? Alors là, on a commencé à vouloir, en étant très, très prudent, okay? On n'utilise pas l'examen pour enseigner, c'est clair, mais à vouloir préparer nos apprenants au type de consigne qu'ils vont rencontrer dans l'examen. Donc, subtilement, quand j'enseigne pouvoir plus infinitif, je vais proposer, bien, questionne-moi sur la possibilité de... J'attends une question, tu vérifies la possibilité de... Donc, de bien connaître nos formes d'évaluation pour être certains, certaines qui sont équipées quand ils arrivent à l'examen. Parce qu'on a eu beaucoup de reprises à gérer cet automne pour des détails comme ça, l'apprenant atteignait ses objectifs à 50, à 60% et plus. Puis, on devait élaborer des reprises. On sait que c'est lourd, hein? On sait que la personne est en mesure de réussir, puis on doit... administrer des reprises,
ça alourdit notre fonctionnement. Donc, on est ensemble, en équipe, et avec vraiment, on veut faire ça avec mon conseil pédagogique, ma directrice adjointe, pour voir jusqu'où on va, pour pas dénaturer l'enseignement, puis pour pas miser sur l'évaluation. Puis on travaille ça en équipe, donc je pense que ce serait une chose à partager, de dire, ben, pourquoi pas des prétextes ici, avec des consignes similaires à ce que l'on pourrait rencontrer dans un exemple. Là, c'est un peu surprenant. Je ne sais pas si dans les autres commissions scolaires, vous utilisez les prétestes. Je n'ai pas vécu ça, les prétestes en francisation. Je sais qu'on faisait une révision avant les examens, une révision à l'oral. On essayait de travailler, se rappeler les termes, les choses. On faisait une petite révision de grammaire. On faisait une révision de petit test en compréhension écrite. Mais vraiment, ce qu'on faisait, il n'y en avait pas nécessairement de prétestes. Là, la question, est-ce que ça va devenir vraiment à la mode comme en FGA, ou c'est mieux d'introduire, comme toi tu venais de dire, OK, quand j'enseigne, j'essaie d'introduire ça dans mon enseignement-apprentissage. Mon opinion personnelle, ça serait mieux de cette façon-là, parce que l'élève va revoir ça le plus souvent quand tu vas enseigner que juste à la fin, OK, on va faire un prétest. Et si on fait un prétest, les examens qu'on va développer, tous les examens, mais il faut reprendre les intentions de communication du programme. Donc, si par exemple, tu fais quelque chose, mais tu vas reprendre aussi les intentions du programme, donc tu ne pourras pas l'utiliser comme une autre version d'examen. Et c'est pour ça c'est ça qui est là. C'est un terme qu'on met en parenthèse. Moi, j'ai suggéré à mon équipe de plutôt donner un devoir, mais qui a une présentation similaire. Puis là, ben, à la maison, avec ses outils, il peut demander de l'aide, mais au moins, il a été exposé à une consigne. Puis, on peut revenir. As-tu bien compris ta consigne? Parce qu'avec l'examen, tu ne peux pas revenir, tu peux pas faire un retour. Donc, je me disais, ben moi, je l'aimais bien sous forme de devoir de fin de semaine. Oh, mais ça, c'est peut-être c'est mieux comme... Le fameux prétest, parce que juste le mot prétest, ça fait un petit peu là. Ou encore, ouais. La SA qui est disponible pour FGA, Alexandrie, mais de la faire comme une espèce de SAE. Donc, avant, dans la période de révision, la semaine avant d'être évalué, on revise, puis ben on prend une SA, puis on peut l'escamoter un peu, c'est-à-dire lui retirer quelques aspects parce qu'on veut aller plus efficacement, on veut être plus efficace plus rapidement. Puis, à dire, ben, cette expertise d'écriture ou cette partie d'écoute, je la ramasse, puis je la corrige, puis je veux voir si tu as bien saisi la consigne. Puis, si c'est toujours une problématique, ben, au moins, j'ai le potentiel d'expliquer qu'est-ce que tu n'as pas compris et comment tu dois te préparer face à une consigne comme ça en évaluation. Ben, ça nous évite bien de la paperasse, puis bien de l'administration de reprise à ce moment-là, puis je pense que c'est une idée santé là, que de s'en aller dans cette direction-là, mais moi, je suis d'accord que le prétexte, c'est lourd comme... On peut l'interpréter, mais je le verrais plus en SAE ou en devoir. Oui, et ça ne nous empêche pas d'enseigner le vocabulaire aux élèves. C'est les mots qui vont être... Les mots des consignes, parce qu'on enseigne les consignes au niveau 1, on enseigne les consignes au niveau 2. On peut continuer à enseigner certains mots pour que les élèves comprennent le sens de ces mots-là, sans nécessairement faire vraiment la même tâche, mais avec la tâche qu'on veut faire. OK, il y avait Stéphanie. Ensuite, Virginie. Ben, en fait, tranquillement, vous avez répondu à ma question parce que c'est une question que les enseignants ici avaient soulevée. De quelle façon et jusqu'à quel point on a le droit de préparer pour les examens? Est-ce qu'on reprend le plan de cours puis on nomme ce qu'on est supposé avoir vu? Ou bien est-ce qu'on peut aller plus loin, justement, là, vraiment miser sur le vocabulaire, faire des formatifs qui ressembleraient dans la structure? Donc, c'était une des questions qui est, qu'on avait ici, justement, dans la préparation, jusqu'à quel point on peut nommer ce qu'il y a. Est-ce qu'on pourrait nommer les thèmes qui vont être à l'examen? Je crois pas. Non, c'est ça. Non, je pense pas. Donc, ça s'arrêterait là. Si je résume bien, ça s'arrête à... On peut nommer
tout ce qui est supposé avoir été vu comme représenter le plan de cours, mais de façon générale, et on pourrait mettre des focus sur le vocabulaire. Et on arrête. C'est plus ça, je dirais plus ça parce que l'élève, toutes les intentions de communication sont prescrites et sont obligatoires. Si moi je focus sur 4 intentions de communication et au niveau 3, il y en a 54, mais l'élève, il va préparer ça à l'examen à la place de réviser un peu les autres. Donc, il va partir, sa base va être 4 intentions de communication bien maîtrisées. C'est ça qui est un peu difficile. Oh, j'avais Virginie. Juste une deuxième petite question pour Caroline. Oui. En fait, c'est un cours de hasard parce que la semaine dernière, je cherchais quelqu'un pour venir donner une formation. Le choix numéro un des enseignants était la phonétique. Et j'ai contacté justement Sophie Lapierre suite à une suggestion d'une enseignante. Et donc, j'allais la recontacter. Est-ce que tu avais des coups de cœur de thématiques? T'sais, nous, c'était comme général la phonétique, mais dans ce que vous avez reçu comme formation, est-ce que tu aurais des trucs à nous suggérer que vraiment, là, c'était concret pour que les enseignants puissent l'utiliser après? Ben, c'est sûr qu'il y a 2-3 ans maintenant, on a eu l'atelier de phonétique avec son outil de test diagnostique et de discrimination auditive, là, son site internet phonétique.ca. Ça, ça a été le début de quelque chose, vraiment. Si vous n'avez pas été exposé à ce matériel-là, je vous dirais que c'est important de le connaître. Nous, on a développé un cours de phonétique à 4 heures semaine pour chacun de nos cours. En francisation. Cette formation-là. À côté. Parce qu'elle a augmenté le nombre d'heures. Là. Donc, on a 21 heures en classe plus un 4 heures. Donc, ils sont à 25 heures semaine, nos apprenants. Puis, c'est un avec un prof, c'est que de la phonétique, puis qui est formé en translation, qui est un prof de translation, et avec qui on échange, on assure la liaison entre les cours et son atelier. Ça, vraiment, on travaille de pair, mais il reste qu'elle s'occupe du diagnostic avec les outils de l'ordinateur. On le fait systématiquement pour chaque étudiant, puis on le fait à chaque niveau. C'est-à-dire qu'on diagnostique au niveau débutant, on refait le diagnostic au niveau intermédiaire et ensuite on va avancer. Donc ça, je vous dirais, oui, c'est un must. Mais après, son autre atelier qui est prose de lecture, c'est un autre incontournable. Ah oui, OK, parfait. Merci beaucoup. De ce qu'on a amené à l'essentiel et ce qu'on aime de Mme Lapierre, c'est la rigueur, c'est le programme. Le programme! Le programme. Nouvelle grammaire, programme. C'est un. Ça fait bien de travailler avec ma mère. OK, super. Je suis contente, ça confirme mon choix. Merci. Merci Virginie, c'est à ton tour. En fait, moi, deux choses. Un, c'est un commentaire pour répondre un peu à des petites questions au sujet des évaluations ou des pré-tests. Nous, cette année, on va développer, parce que nous, on avait déjà développé à l'époque des tests comme de mi-session, mais pas communicatifs, vraiment pour que les étudiants étudient les notions grammaticales. Donc, on va recréer ce genre de test-là, mais vraiment en lien avec le nouveau programme. Évidemment, le plus possible, on va utiliser des sujets qui font partie des situations d'apprentissage là, du niveau. Et on va essayer de faire des questions un peu qui des types de questions qu'ils vont retrouver, même si c'est pas. CO ou PO ou quoi que ce soit, même genre de questions qu'on retrouve dans les examens. Puis l'autre chose, ça c'est pas fait, c'est en route, tranquillement, pas vite. Puis l'autre chose, ça c'est pas de notre centre, mais bien l'équipe de CP de la CSDM. Là, normalement, notre prochain rendez-vous qui est le 11 décembre, le point est de retour sur la table, mais j'avais amené le point parce qu'on a... On a tout refait les examens du ministère pour les 8 niveaux
parce qu'il y avait des profs, en tout cas, qui étaient, on avait fait une validation, puis on trouvait que parfois, il y avait des... Il manquait de savoir dans les verbatims, dans les lectures, qui n'étaient pas en lien avec le niveau, par exemple, un texte de niveau 5, mais que le vocabulaire était surtout en lien avec le niveau 2. Donc, on a essayé d'ajuster ça. Les questions, parfois aussi, la façon dont les questions étaient posées, on utilisait des verbes qui étaient à un temps, qui n'étaient même pas à l'étude à ce niveau-là. Donc, on a corrigé ça pour vraiment s'assurer que ça respecte les savoirs du niveau. Puis là, j'ai demandé à l'équipe de déposer ça sur Mahara. Là, il y avait des pour et des contre parce qu'ils n'étaient pas encore complètement validés. Ils trouvaient encore des coquilles puis tout ça. Mais ça devrait être fait. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une autre version complètement. C'est exactement la même chose, sauf que peut-être que ça répond parfois à des petits problèmes qu'on voyait dans la façon, dans les questions, façon que c'était posé la question, bien, on a essayé de rendre ça plus adéquat au savoir de l'étudiant. Donc, ça peut peut-être aider d'autres centres. Puis, je sais qu'on est en train de valider, ça devrait se terminer peut-être, je ne sais pas, en janvier, fin janvier, notre version B. Puis, elle aussi, je vais demander fortement à ce qu'on la dépose dans Mahara. Donc, la version B, c'est sur complètement des intentions différentes. Là. Donc, ça va nous faire une grosse banque. Puis, on en fait du niveau... On fait pas pour... Oui, 1 à 8. Mais je pense qu'on n'en fait pas au niveau 1. Je ne suis pas certaine. Mais jusqu'au niveau 8 inclus. Puis moi, ma question, en fait, dans le tour de table, c'est parce que nous, au centre où je travaille, peut-être qu'on a 22, 23 enseignants. Puis à peu près sur 22 ou 23, il y en a deux qui utilisent les situations d'apprentissage. Je me demandais comment c'était dans votre milieu à vous. Est-ce que les profs exploitent les situations d'apprentissage en classe? Qu'est-ce que vous avez fait pour inciter l'emploi des situations d'apprentissage, les commentaires de vos enseignants, peut-être. Qui veut se lancer? Vas-y. D'abord, Virginie, peux-tu juste me repréciser le centre pour lequel tu travailles? Ah, le centre Saint-Louis. Saint-Louis. À la CSDM. C'est toujours CSDM. OK. Oui, du plateau Mont-Royal. Donc, je travaille avec Sophie, moi. Oui, d'accord. Oui. Nous, on a fait acheter par ici. Parce que, comme on travaille avec un niveau débutant qui fait du 1 à 3, puis la moitié du 4, bien, le cahier qui était disponible, là, 2, 3, 3 4, ça se traitait parfaitement. Puis, c'est pas un problème pour nous d'amalgamer un peu les programmes. Parce qu'on fonctionne avec des sections de 5 semaines. Fait, moi, par exemple, actuellement, je termine mon niveau 5, mais j'ai aussi du niveau 6 dans ce que je couvre. Donc, j'ai amalgamé, si tu veux. Donc, travailler avec par ici, ça va dans notre cas. Okay? Mm-hmm. Mais en même temps, c'est pas fidèle au programme. Et on se rend compte qu'une FA, c'est fidèle au programme. Donc, nous, on valide que les SA sont plus précieuses que le cahier par ici. Puis, ce qu'on aime du par ici, c'est que les étudiants peuvent être autonomes à la maison. Donc, on peut dire, si tu veux retravailler ce qu'on a travaillé en classe aujourd'hui, tu peux faire telle page à telle page. Donc, ça devient un pont entre la classe et la maison. Les compréhensions de l'oral sont intéressantes. On peut y aller partiellement, mais on ne va pas faire toutes les pages différentes. C'est pas notre méthode. On ne travaille pas avec ça comme une méthode. Alors que les SA sont vraiment faites avec nos intentions de communication. Tu as tous les savoirs qui sont attachés. C'est exactement ce que tu t'en vas avec ça. Mais il faut tout ça faire en nouvelle grammaire. Puis ça me dégoûte. Moi, quand je regarde une SA, je suis comme étourdie, je suis dégoûtée. Je suis comme, ça m'écœure de me faire dire que je ne connais rien en nouvelle grammaire. Je ne peux pas dire que c'est mon côté le fun. Peut-être pour encourager les profs, c'est de dire, ben, travaille pas avec le guide de l'enseignant, travaille avec le guide de l'apprenant, regarde c'est quoi tu t'en vas faire avec ça. Mm-hmm. Juste pour avoir une vision moins étourdissante de ce qu'il y en est.
Mais après ça, mets tes chaussures de professionnel, là, puis va les lire, tes contenus, puis assure-toi que ce que tu vas donner comme exemple, que ce que tu vas faire avec ta gang, ben ça va respecter ça. Tu ne donneras pas des exemples comme dans l'examen que vous avez remanié où il y avait des savoirs qui étaient trop qui ne correspondaient pas au niveau. Ben, après ça, il faut être fidèle à ça parce que là, c'est là que la SA ne passera pas. Mm-hmm. Si tu donnes des mauvais exemples, si tu t'accompagnes mal, si tu présentes des contenus qui n'appartiennent pas à la SA, c'est là que tu vas te planter. Donc, je pense qu'il faut être ferré comme prof pour travailler avec une SA. Puis, il faut aussi accepter que 9h, je n'ai pas le temps de le faire, mais je vais aller chercher dans la SA qui me convient. Puis, je vais faire une trousse autour de ça. Moi, je suis très kinesthésique qu'une SA, là, après une heure, je suis fatiguée. Là. Fait que je me suis fait des trousses autour. On va travailler avec un... On va changer le beat un peu, parce que sinon, toute une journée, un 9 heures de temps, c'est dur. Fait que je peux comprendre que les profs résistent. Il faut se donner de la liberté. Il faut le prendre comme un excellent point de départ et un excellent point d'arrivée. Moi, je les aime beaucoup comme évaluation à la fin du parcours. Mm-hmm. J'aime les faire le vendredi. J'aime les faire à la fin de ma section parce que c'est facile. Ils sont dans une situation de succès. Les apprenants, ils ont besoin de succès. Il faut que ça donne du sens à leur démarche. Puis si on les utilise vraiment comme des SA, ce que je constate, c'est que les apprenants disent « c'est pour eux ». Puis ils perdent, ils se démotivent. Donc, c'est peut-être pour ça que ça passe mal, qu'ils ne sont pas résistants. Il faut savoir les présenter au bon moment pour que l'apprenant soit en situation de succès dans cette approche-là. Ben merci, c'est gentil. En fait, nous, les profs qui les utilisent sont très ferrés en nouvelle grammaire, justement, les deux profs, là. Puis sinon, effectivement, le fait que le cahier de l'enseignant soit touffu, ça décourage au départ. Donc, moi aussi, j'avais dit d'aller plus regarder dans le cahier, dans le guide de l'apprenant, donc dans le cahier de l'apprenant. C'était quoi d'autre, l'autre chose que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Ben nous aussi, on travaille avec Parisi. Même si nous, on travaille niveau par niveau, on a quand même les Parisi, puis on a comme tout divisé ça pour s'assurer que le prof de niveau 3 fait pas les trucs de niveau 4 ou les trucs de niveau 2. Donc, on a tout répertorié ça avec nos cours sur Moodle. Donc, c'est assez facile, là. Mais les profs des niveaux, c'est ça, débutants, intermédiaires, on travaille beaucoup, beaucoup avec le Parisi comme un peu élément de base, sans nécessairement tout faire. Puis ensuite, ils ajoutent autour du Parisi. Mais c'est ça, les SA, on dirait que quand c'est arrivé, les enseignants ont vu ça tellement immense, puis qu'ils étaient tellement en mode survie un peu, parce que ça leur prenait beaucoup, beaucoup de temps pour créer leur nouveau cours, que de passer à travers la lecture du guide de l'enseignant pour les SA, ça les décourageait. Donc, ils ont comme un peu mis ça de côté, pour aller travailler plus avec le Parisi, avec les d'autres petits trucs qu'on avait mis à la disposition des enseignants. Mais les SA, c'est ça, on dirait que ça passe moins bien. Je me disais, j'avais idée de faire justement des petites trousses avec quelques sous-activités, puis commencer par là au lieu de faire toute la séquence. Parce que moi, j'avais une petite mise en garde quand j'ai mis les yeux sur une première SA. Je trouve que la mise en page est trop chargée. J'élimine systématiquement les bordures. J'enlève ça pour être capable d'accéder au contenu. Parce que sinon, je suis dégoûtée. Il y a trop d'informations. Je suis tout étourdie. Ouais. Quand j'ai eu une nouvelle collègue, je lui ai donné tout de suite ce truc-là. Enlève tout autour. Imprime-le. En cercle, tu travailles de façon schématique avec ça. Je trouve que ça, c'est une des choses avec les SA, le mise en page est chargé. Mm-hmm. Pour finir, à propos des SA, j'ajouterais que chez nous, il y a des enseignantes qui les utilisent souvent. Et ça, ce qui est intéressant, c'est plus les niveaux avancés.
Au niveau intermédiaire, je te dirais niveau 6, 7, 8, là, ça va être plus. Au niveau débutant, il y a certains qui les utilisent, il y en a d'autres qui les utilisent juste parce que là, il y avait deux utilisations. Quand on a fait les situations d'apprentissage, on pensait que ça allait être comme une situation d'apprentissage de mobilisation. Compte tenu que quand on est arrivé, on n'avait pas d'autres matériels, mais certains de mes enseignants, ils prennent des parties comme un canevas d'enseignement. Ils se basent et ils bâtissent leur séquence d'enseignement à partir de ça. L'essentiel, c'est que le matériel soit utilisé. Je pense que quand on aura du matériel pour tous les jours, là, on sera capable d'utiliser les SA peut-être à mobilisation comme avant où on avait des activités synthèse. Mais tant qu'on n'a pas de matériel, c'est sûr que les enseignants vont aller chercher. Ce que j'aime les vidéos qui ont été faites, j'aime les enregistrements aussi. Ça permet un petit peu de sortir de vieux enregistrements qu'on avait avec l'ancien programme. Et c'est sûr que le cahier de l'élève est moins chargé, mais le guide de l'enseignant, parfois, il y a beaucoup de stock là-dedans. Et ici, quand tu le prends pour bâtir ta séquence, qu'on prend certaines, donc ils prennent une ou deux tâches, c'est un peu plus allégé, mais les enseignants qui l'ont fait, ils l'ont fait une fois, mais ils ont envie de le faire une autre fois comme une essai de mobilisation. Mais il faut juste se donner le courage, OK, je me mouille, je vais voir ce que ça va donner, et ensuite je vais m'ajuster. Mais c'est ça parfois qui est difficile au début. Oui, les SA sont déposés sur Alexandrie. Tu peux aller les chercher par code de cours. Comme ça, tout va être là. Stéphanie nous a quittés, je pense. Bien, on a fait le tour de table. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va faire le retour sur l'enseignement de la nouvelle grammaire. Bien, je vous ai dit que j'allais partager un petit peu. J'avais une rencontre avec mes enseignants après leur avoir présenté les formes, après leur avoir fourni les kits pour chacun de leurs élèves, pour la classe. Et ce qui est, je trouve, c'était une découverte. J'aime bien ça, les enseignants, même des niveaux intermédiaires, ils ont dit, écoutez, j'ai vu la lumière, tu sais, les yeux briller de certains des étudiants briller parce qu'ils disent, madame, j'ai compris. À force de manipuler et de déplacer les choses, ensuite, c'était la structure de la phrase de base. Après ça, il y avait des remplacements, il y avait les manipulations. Ils ont compris des choses et c'est sûr que ça influence aussi les autres. Et il y avait aussi au niveau débutant, une équipe, un trio, parce que nous, on travaille un trio, en fait, il y avait une enseignante qui a présenté la phrase de base, ils ont travaillé la phrase de base. L'autre a repris la phrase de base et a travaillé à partir de la phrase de base, la phrase interrogative. Et la troisième a repris les mêmes et a travaillé la phrase négative. Donc là, ils ont vu qu'il y avait certaines manipulations qu'il fallait faire, il y avait des choses. C'est sûr qu'il y avait d'autres, il y a beaucoup d'activités qui ont été faites sur les phrases, mais ça, c'est resté dans ma mémoire. L'essentiel, et ça, je trouve, c'est vraiment la conclusion, les élèves apprennent, ils ne trouvent pas ça bébé. Parce qu'il y avait certains qui avaient appréhendé le fait, est-ce que ça va être bébé pour nos élèves, tu sais, de manipuler les triangles, les cercles, toutes les choses. Non, ce n'est pas bébé. Donc, ils ont appris, ils comprennent ça, même si parfois ça peut prendre une période de 40 minutes, parfois ça peut prendre une période de 30 minutes, ça dépend quel est l'objectif. Donc là, on est en train de préparer avec ma collègue aussi les activités pratiques pour travailler bien la structure de la phrase, les constituants de la phrase en nouvelle grammaire, quand ça va être préparé, mais je vais le déposer. On faisait ça en avant-midi, on va continuer après notre rencontre. Donc, c'est vraiment des activités clés en main que les enseignants puissent utiliser en classe pour savoir, mais c'est une idée par niveau après ça, mais l'enseignant va s'organiser pour travailler, pour construire les autres. Je vous ai fait un petit retour sur ce qu'on a vécu. Bien, Caroline, je pense que tu avais aussi quelque chose. Virginie, oui, tu peux commencer, Virginie. Ben, en fait, non, c'est ce que j'ai écrit la question, là, mais j'ai pas pu assister malheureusement la dernière fois, donc j'étais pas au courant de ta présentation, mais est-ce que les formes, ton idée de forme, ça vient du livre de Marie Nadeau et Carole Fischer? Non, moi la seule. Nouvelle?
Non, la seule chose que je me suis dit, le sujet, on a décidé, on a fait le sujet bleu comme mais un carré bleu. Le prédicat, c'était un rectangle jaune et le complément de phrase, c'était un cercle rose. On a repris les mêmes couleurs de la nouvelle grammaire, mais on s'est dit, le sujet d'habitude, tu sais, on se dit c'est plus court, le prédicat avec les compléments, c'était plus long. Et là, le rond, c'était qu'il peut circuler, il peut bouger dès le début à la fin. Et on a pris un triangle saumon pour le mot est-ce que, parce que on l'ajoute devant la phrase, il n'y a rien qui change. Et avec les enseignants, mais ils me posaient des questions, ils me suggéraient de prendre une étoile de David aussi saumon pour les autres mots interrogatifs, quand, comment, combien, pourquoi, où, d'où. Donc là, et c'est avec ça qu'on fonctionne plus, mais les signes de ponctuation. Et on a fait sur le fond blanc, on a fait un X rouge. Donc chaque, il y en a deux pour montrer, marquer la négation ne et pas ou ne et plus après qui vont s'ajouter. Donc on n'a pas, il y a rien d'écrit. Ce n'est pas écrit que c'est un sujet, que c'est un prédicat, mais ce sont les formes que tu peux voir. Donc ça correspond les couleurs à ce que Caroline a derrière elle. C'est juste les formes, pas de couleurs, pas de titre là-dessus. Et on a fait aussi, ça je peux vous mettre aussi, on a travaillé sur les images pour les manipulations syntaxiques. On voulait que ça soit parlant parce qu'on a trouvé plusieurs, l'effacement, mais pour nous, c'était plus une efface, mais pas des ciseaux. Parce que, et là, donc, on a fait des choses, c'est bien fait, on les a plastifiées, donc on va les... Je vais vous les mettre, les fichiers, je peux vous mettre tout ça. La seule chose pour on a les cercles, on a les triangles, les étoiles de David, toutes ces choses sont là. La seule chose qui n'est pas là, c'est le rectangle jaune, parce que pour ça, j'ai dû acheter du gros papier jaune chez Dollarama. Là, juste, on a fait quatre morceaux, on l'a divisé en quatre, on a fait les rectangles. Mais le reste, tous les fichiers sont disponibles si vous voulez. Je vais le déposer dans le Mara, c'est ça. Comme ça, vous pouvez aller le chercher pour ne Sur quoi? pas. Tu vas le déposer Mais sur quoi? dans le groupe Mara. Dans le groupe Mara. Je vais le déposer là avec la couleur, avec la petite légende, et si vous voulez, oui, peut-être. La procédure, est-ce que disponible? Non. Sur Alexandrie, non, c'est nous qui avons décidé de faire comme ça, Stéphanie. Donc, je vais le déposer sur Mara. Mais Rima, Oui. j'ai fait un atelier qui ressemble à ça, là, mais moi je l'avais fait avec le TBI, donc mes formes, je pouvais les déplacer sur le TBI. C'était seulement des rectangles, plus petits, plus grands, tout ça, mais avec les couleurs rouge, bleu, jaune. Puis je présentais une activité où justement ça se faisait sans l'écrit. On n'avait pas recours à l'écrit, mais bien juste à l'oral. Puis les enseignants ont vraiment beaucoup apprécié. Toutefois, là, je ne sais pas s'ils ont transféré en classe. J'attends ma prochaine rencontre le 5 décembre pour avoir des nouvelles, là. Mais on est rendu là, tranquillement, pas vite. Mais regarde, on a encore des années devant nous. C'est sûr que ma demande était aussi à le faire à l'oral. Et c'était un défi pour les enseignants de faire à l'oral sans recourir à l'écrit. Le TBI, c'est bien, mais on a un seul tableau blanc interactif à la cafétéria. Donc, en ayant 22 classes, on ne peut pas être tout le monde en même temps. C'est pour ça, ce sont les formes sur du carton plastifié avec des pinces aimantées qu'on peut... Tu sais, c'est sûr au tableau, là, tu déplaces tes pinces avec tes cartons, c'est de cette façon. Voilà. Caroline, peux-tu nous partager, là, les deux, le mélange de deux, la prosodie, phonétique, grammaire? Ça fait sens. Il y a Raoul Duguay qui dit que tout est dans tout. Oui. dans un premier temps, c'est ça, j'ai proposé la dernière fois de partager du matériel que j'ai créé l'année dernière. J'accompagnais ma copine Zakia qui mettait sur pied là, le niveau débutant, donc qui allait exploiter toutes sortes de choses. Puis j'ai créé beaucoup de matériel. Moi, je suis une apprenante kinesthésique, une mère kinesthésique et un prof kinesthésique. Et je me dis, on ne trouve pas ça sur Internet. On ne trouve pas ça dans les cahiers du matériel kinesthésique.
Donc, ce que j'ai mis, ce que j'ai demandé à Rima de mettre sur Mara, c'est un domino. J'avais trouvé ça sur un site Internet en format PDF avec plein de fautes dedans, mais l'idée était là. Donc, ici, j'ai créé un domino qui commence avec cette image. Et on doit enchaîner avec la phrase qui connecte à cette image. Donc, elle a mal au dos. Donc, c'est le j'ai un premier domino qui est avec, ben, c'est-à-dire avec je. Okay? Mais là, je veux transférer à la troisième personne. Donc, ce vocabulaire-là, il a été vu avec j'ai mal au dos. Et là, je veux qu'on transfère à la troisième personne. Alors, on s'en va retravailler notre vocabulaire, mais en faisant un petit pas par en avant, on introduit la troisième personne. Et c'est ludique. J'aime ça travailler en équipe de 3-4. Donc, ensemble, ils étalent les cartes devant eux, ils construisent le domino. Le but, c'est pas de les amener à produire nécessairement. C'est vraiment plus la manipulation, de la reconnaissance. C'est sûr qu'après, libre à nous de reprendre ça à l'oral, assurer la prononciation, tout ça. Mais c'est pas une activité unique pour voir le vocabulaire, là. C'est dans une trousse. J'ai un exercice écrit qui accompagne ça. C'est vrai, j'ai oublié de le joindre. Je pourrais l'envoyer, on l'ajoutera. Oui. C'est vraiment une démarche générale, mais ce que je voulais partager, c'est mon matériel plus kinesthésique. Je l'ai plastifié. Mon petit truc, moi, je numérote. Cette série-là, c'est la numéro 8. Chaque carte porte le numéro 8, comme ça, si jamais on perd des pièces, ben on sait que celle-là, ça s'est associé au numéro 8. Puis je leur dis tout le temps, mon matériel est précieux, ramenez-moi mes cartes, s'il vous plaît. Mais souvent, les profs disent, oh, moi, j'aime pas ça travailler avec ça, c'est compliqué. Si on perd une carte, on sait plus, ils les mélangent toutes, ils me perdent des affaires. Ça prend de la discipline, mais c'est hyper ludique. Ça ouvre des portes, ça fait... Ça, c'est le genre de truc, là, avant un examen, ils sont stressés. Tu veux faire de la révision, tu veux que ce soit un succès, tu les mettre en confiance. Tu ressors ça, ça détend, ça revise, ils sont contents, puis après ça, transfert à l'oral, une situation réelle, on s'en va dans la SA, qu'on fait en SAE. Donc ça, c'est disponible. Autre chose. Ces documents-là, ils sont. Vous pouvez les télécharger. J'ai téléchargé tout le document maintenant dans le VIA, les documents à télécharger, vous pouvez le télécharger. Sinon, ils sont sur Mara. Quand j'ai passé le flambeau de l'imparfait à ma collègue au niveau débutant, anciennement avec l'ancien programme, Zakia au niveau débutant, touchez pas du tout à l'imparfait. C'est moi qui le faisais au niveau intermédiaire. Là, je lui ai dit, t'es dans ton niveau 4, tu vas devoir présenter ça. Niveau 3 même, elle était très nerveuse. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas je tue le nouveau il, là, c'est je. Je. Donc, au niveau où tu le prépares, tu le présentes, c'est juste à la première personne singulier, là. Donc, connecte ça avec l'expérience de travail. Parler d'une tâche de travail à la première personne. Donc, pour la mettre en confiance, je lui avais créé un exercice. Alors, quand j'étais commis de banque, OK? On a donc 5 métiers comme ça. Quand j'étais mécanicien, mécanicienne, je. Et on a une liste de tâches qui est à l'infinitif. OK? Donc, vérifier les signes vitaux. Bien, c'est quand j'étais infirmier, infirmière. OK? Donc, les apprenants vont faire ça sous forme de puzzle, de casse-tête. Donc, là, on travaille le champ lexical, on travaille toutes sortes de choses. Il y a des verbes du premier groupe. J'ai mis le verbe faire, le verbe ouvrir parce qu'il se comporte comme le premier groupe. Je suis allée, là, vraiment, là, avec des verbes faciles à conjuguer. On fait que du vocabulaire. À partir de l'infinitif, on associe une tâche à un emploi. Donc, si je vais chercher, par exemple, quand j'étais infirmière, je mets ma tâche à l'infinitif, vérifie les signes vitaux. Je ne sais pas pourquoi je suis en contrôle latéralité, je suis comme devant un miroir. Ma gauche et votre droite.
Donc, là, il y aura quand même, il y a 5 tâches par type d'emploi. Il y a 5 emplois, on a 25 tâches à associer. Tout est à l'infinitif. Étape 2, on conjugue ça à l'imparfait. Mais avant de travailler la conjugaison, je leur ai présenté comment construire la conjugaison de l'imparfait préalablement pour que ce soit le fun. Mais j'irai travailler la structure de la phrase. Donc, je vais enlever mes écouteurs, je ne vous entendrai plus. Si vous voulez que je vous entende, vous ferez signe. Donc, j'irai travailler, parce que c'est un exercice qui éventuellement va être amené à l'oral. J'irai travailler le complément de phrase de quand j'étais infirmière. Je vérifiais les finitifs. Là, ma leçon, ce n'est pas de travailler qu'il y a un complément direct avec mon verbe. Je vais vraiment juste présenter cette structure-là. Puis je mettrai l'accent sur la prosodie. Donc, une fois que l'apprenant a fait son lien, il a conjugué ses verbes, là, je ne transfère pas à l'écrit, je s'arrête à vraiment plus écrire ses conjugaisons. Je vais être habile à l'oral, mais je travaillerai la prosodie. Là, je laisse une petite part ici pour montrer que le corps. Je vérifie les points de placer le maintenant. À la fin. Puis, à ce moment-là, je mets la fin simplement à l'oral. Je transfère à l'oral. Je vais mettre la fin pour la conjugaison de l'imparfait, la prononciation, la terminaison de son « et » à la fin. Donc, c'est super intéressant de joindre ça maintenant à tout ce que je fais. Je le mettrai comme modèle. C'est quoi qu'on travaille aujourd'hui? C'est quoi la musicalité qu'on veut travailler, qui est l'imparfait, il est présenté, mais il est secondaire. On est toujours à l'oral. On est toujours dans exprimer une habitude en emploi, d'écrire une tâche en utilisant l'imparfait. Mais évidemment, ça reste que accessible. On n'est pas dans on va faire ton CV, là, puis on va se préparer pour une entrevue. On est vraiment à explorer des choses. C'est faisable, c'est facile. Donc, ça a beaucoup de succès. Les étudiants, ils aiment beaucoup ça. L'aspect nouvelle grammaire, celle-là, on ne l'a pas encore intégré à cette activité-là, mais je pense que ça se prête bien. Il y aurait un plaisir là, à travailler. Okay. J'ai l'impression de monologuer. Et finalement, la dernière activité que j'ai mise en ligne, il y en aura d'autres s'il y a un intérêt. Là. Je pense qu'il y a un grand intérêt. Vous pouvez me seconder? Oui, oui, vraiment, merci. Ce que j'ai mis sur pied, on discutait de difficultés avec l'équipe, des gens qui me disent « Oui, Caroline, moi, je connais les étudiants. Là, ils vont capoter. Là, ils vont me demander si ça, 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 ça. » Moi, je suis collègue, hein? Je ne suis pas boss. Je ne suis pas CP, je ne suis pas leur patron, je suis leur collègue. Mais je prends un exercice et je lui dis, regarde, tu es au niveau 3, tu présentes le vocabulaire de l'emploi, tu es allé en ligne, puis tu as trouvé un exercice. Il est super intéressant ton exercice, mais c'est une personne qui, c'est une personne que, c'est une personne dont. Je suis désolée, mais l'ambiguïté est exponentielle. C'est des éléments, des contenus qu'ils ne maîtrisent pas au niveau 3. Ton activité, elle ne passera pas. Il n'y aura pas de plaisir là. Donc, c'est débrouillard Internet, mais tu as intérêt à créer ton matériel. Mais il y en a des profs qui ne sont pas créatifs, d'où le coup de pouce. Mmh. Donc, ce que j'ai proposé à cette collègue-là, c'est une banque de vocabulaire. Donc, j'ai le vocabulaire des tâches au bureau. Moi, j'utilise ça. Je pense que c'est au niveau 4. Oui, je pense que oui. Pense que oui. Oui, oui, c'est du niveau 4. J'ai un document ici. Moi, je n'aime pas monologuer en classe. D'ailleurs, j'ai le sentiment de monologuer en ce moment. Alors, je leur donne les cartes et eux manipulent les cartes. Et ils ont, on s'entend, c'est super facile, là. Hein? Ils ont le dessin, là. Ils associent l'illustration. Puis, ils vont aller, par exemple, écrire la lettre. Tout ce que j'ai présenté, c'est des verbes avec une construction directe.
Puis, on a un verbe à l'infinitif plus son complément. Donc, on travaille à partir de ça. On dresse une liste. J'ai 16 cartes. Et c'est ma porte d'entrée pour plein d'activités. Là, le vocabulaire est établi. J'ai des verbes qui ont des constructions directes. Je peux aller travailler complément, le, la, les avec ça. Je peux faire conjuguer des verbes du troisième groupe. Je les mets dans ma dictée. Par exemple, le verbe écrire. Bien, celui-là, il est difficile, le verbe écrire. Je vais le mettre dans ma dictée de la semaine. Je vais leur dire, bien, celui-là, travaille un petit peu plus. C'est un défi. Le verbe faire, bien, on en a besoin au bureau. Il faut que tu fasses de l'affaire. On va le faire comme ça. On va aller le présenter. Je le mets dans ma carte. Mais je n'irai pas travailler un complément du verbe faire avec du vocabulaire qui n'est pas connu. Je vais toujours travailler avec ce vocabulaire-là. Donc, tout ce que je vais expliquer va passer. Il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas d'ambiguïté, je n'aurai pas des questions à brûle-pourpoint hors contexte. On s'en va en ligne droite avec ça. Donc là, j'ai cette première activité. Et toujours dans le but de travailler à l'oral, on est dans l'intention de comprendre des consignes dans un environnement de travail. On est en CO, on n'est pas en production écrite. Je ne veux pas qu'ils me conjuguent ça à l'écrit, à l'écrit en intervalle, je veux qu'ils comprennent. Donc, j'ai créé une dictée. OK? Ça, c'est l'étape dictée. Ils sont en équipe, ils ont les cartes sur leur table et je leur demande. Je commence avec quelque chose qu'ils connaissent. Non, ben oui, on peut l'enseigner. Il faut plus infinitif, par exemple. OK? Donc, je vais dire, il faut verser les salaires. Qu'est-ce que tu as compris? Bien là, ils vont prendre la carte verser les salaires et ils vont me la montrer. Là, je vais l'illustrer. Il faut plus infinitif. C'est général. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. On ne sait pas qui va le faire, mais ça, il faut faire ça. Il faut signer le contrat. Puis là, bien, ils vont me montrer les cartes. Déjà, j'ancre le vocabulaire. Après ça, je vais aller avec OK, toi, Théo, tu dois signer le contrat avec le client. Toi, Yasmina, tu dois remettre les chèques de paye. Vous devez. Ah, devoir plus infinitif. Ils l'ont vu au niveau précédent. J'ancre ça. On est toujours dans l'infinitif du verbe. Et à la fin, je joue, juste pour aller piquer leur curiosité, fais les photocopies, range les documents. Là, je vais avec l'impératif. Je viens donner une troisième forme de consigne. On a travaillé trois phrases, trois types de consignes dans des constructions très différentes. Mon but à travers tout ça, c'est présenter mon vocabulaire que je vais pouvoir réutiliser toute la semaine pour présenter plein de nouvelles choses. Il faut que tu... Je peux aller travailler juste mes verbes du premier groupe avec mon subjonctif. D'ailleurs, je ne l'ai pas joint, mais j'ai un exercice pour travailler. Il faut que tu... J'ai pris que les verbes du premier groupe. Je pense que j'ai mis le verbe faire. Il faut que tu fasses. Mais on est toujours en CO, un minimum d'écriture. Je travaille... de cette façon-là. Cela dit, j'ai créé un exercice à partir de ce vocabulaire-là pour aller travailler le complément direct sous forme de pronom qu'on va placer selon la conjugaison. On est tous des profs, hein, je vous apprends rien. Là. Donc, je conjugue au présent puis au futur parce que il faut que ce soit en lien avec la tâche. Je fais ça à tous les jours, je vais faire ça aujourd'hui. Je n'ai pas tout de suite présenté le passé composé. Je veux limiter l'ambiguïté. Donc, là, j'irai travailler avec ça. Si vous acceptez, je monologue fort, là, mais je vais aller donner une petite démonstration. Alors, faire les photocopies. Je vais aller sur... Alors, je veux remplacer cette information-là, ce complément direct de mon verbe faire. Je sais que c'est un complément direct, je travaille avec le, la, elle, apostrophe, ou les. Puis, à ce moment-là, je vais travailler dans une construction bien écrite. Là, je pense que vous êtes en effet miroir, hein, c'est à l'envers. On va arrêter cette information. Je veux conjuguer mes verbes au présent. Donc, que je sais dans les niveaux intermédiaires,
Ben, allez mettre un petit losange vert. Moi, le losange vert, c'est un pronom dans mon petit langage. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est que je veux aller chercher. Pourquoi pas donner un indice? Ok, je veux aller chercher un pronom pour remplacer mon information complémentaire avec mon indice. Donc, ma constitution, c'est faire les photocopies. Présent, je fais les photocopies. Les photocopies, je vais aller remplacer ça par un pronom. Je vais donc aller chercher mon pronom. Ça va être « les » parce que c'est « le » verbe. On va aller placer ça devant le verbe « je les fais ». Donc, on a bah, quelque chose, une structure, une syntaxe. Et après, ben, on pourrait travailler au passé, au futur, je vais faire. Donc, par exemple, mon groupe Pizza, j'ai deux éléments. Mais on va aller le placer devant l'instructif à ce moment-là. Et faire un peu d'argent pour aller placer le pronom à la bonne place. Éventuellement. Je pourrais demander aux gens de travailler en équipe. Il y a un exercice écrit, un outil à l'écrit. Et après, si je ne travaille que le présent, par exemple, avec je. J'écris la lettre, je l'écris. Je range les documents, je les range. Après ça, on pourrait, vous, nous, on y va là, en contexte, travailler la structure de la phrase. Et ça sera en révision. Quand tu fais la révision, tu sors les petites cartes, tout le monde est content. Ils savent qu'ils vont être bons, que ça va être facile, qu'ils vont se sentir compétents, puis que ça va, tout ce que je vais proposer, ça va être accessible. C'est sûr que ça, c'est ce qui me frustre du matériel qu'on photocopie dans les méthodes, dans les cahiers. C'est le manque de connexion avec ce qu'on enseigne. C'est le vocabulaire qui n'est pas connu, qui fait qu'on dérive, qu'on s'éloigne de nos objectifs. Donc, j'ai développé. Merci beaucoup pour le partage. Je pense que oui, tu soulèves bien la problématique. Oui, on fait des photocopies, mais ça ne convient pas à 100%. Il y a toujours des mots qu'il faut remplacer. Même si on regarde l'ancien programme, on a fait l'arrimage, on a choisi certaines activités de l'ancien programme en lien avec les intentions du nouveau programme. Mais les temps verbaux, ça ne fonctionne pas. Donc, tu es en train de, oui, l'intention est bonne, oui, l'enregistrement, il est thématique, c'est correct, mais le vocabulaire qui est là, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que oui, on est content pour le partage. On entend tout ce que tu peux partager. Je pense que tout le monde va être content parce que c'est vraiment des activités qui manquent. On peut trouver un exercice grammatical, quitte à refaire, à remplacer certaines choses, mais les activités ludiques qui restent toujours à l'oral, ça c'est plus difficile. Je pense que on est des profs, on est portés, OK, créer et tableau, ça va plus vite. Mais se dire, OK, j'utilise pas la créer, j'utilise juste l'oral et certaines images, ça c'est un peu plus difficile. Je pense que ça va être vraiment apprécié par les gens de la du réseau. Mais si tu... Éventuellement, bon, là, c'est un work in progress, mais il faut que je vérifie avec ma direction. Peut-être une proposition d'atelier de 75 minutes à la CFGA où je donnerai mon matériel puis je dirais à des profs, manipulez-le, on réfléchit à ce qu'on peut faire avec ce matériel-là et on va partir avec une coquille. Cette année, ce sera une autre année, mais ça pourrait être, si j'ai le feu vert de ma direction, de venir le manipuler. Oui, ça peut être ça, ça peut être aussi, mais on a encore des rencontres de la communauté, et si ça nous fait, bien là, on peut pouvoir propulser ça, aller vous regarder ça avec nos enseignants, je pense que ça nous donne aussi des pistes. Il y a des possibilités d'intervenir. Et oui, un atelier, c'est aussi bien vu, mais ici, c'est pour cette année, mais c'est jusqu'au 6 décembre, je pense, le dépôt des ateliers. Oui, bon,
prendre la décision rapidement. Voilà, c'est ça. Donc, regardez, on a dépassé notre temps. Stéphane a dû nous quitter. Donc, je vous propose, la prochaine rencontre est au mois de décembre. Je pense que c'est le 13 décembre. Oui, je vous invite à noter les préoccupations dans le bloc-notes collaboratif. C'est sûr que cette rencontre a été enregistrée. Elle va être disponible aussi sur le site des après-cours AFGA. Si on veut faire montrer ça aux enseignants, donc on peut les envoyer pour qu'ils regardent la capsule, pour qu'ils voient comment tu manipules, comment est-ce que tu l'utilises. Ça peut les aider aussi de voir quelqu'un d'autre, un enseignant qui le fait. Donc, et si vous avez d'autres questions, mais envoyez-moi un petit courriel, je vais essayer de vous répondre. Si je n'ai pas de réponse, je vais essayer de vous référer à la personne qui pourrait vous répondre. Et Chloé et Stéphanie, si vous ouvrez le compte Mara, envoyez-moi un petit courriel pour que je puisse vous ajouter au groupe.